Babo te connaît. Monsieur le Président, chaque fois que j'ai eu le privilège d'être avec vous, vous ne cessez de me dire, écran, dis à tes parents que je viendrai les saluer à Paris. Chose faite aujourd'hui. Monsieur le Président, mes parents sont là. Le roi et sa notabilité, la génération au pouvoir, les Moutou, la Kader Poussoué, les Benjamin Noé, la Reboy Zaka, les religieux, vous l'avez vu, les communautés vivantes à Benoît, les jeunes, les femmes, les planteurs, les chômeurs, les victimes des crises, vos militants et sympathisants du Sud Congo. De moi, un député PPACI, le responsable des différents partis politiques. Ils sont venus vous écouter, pas nous écouter, et faire écho de vos paroles. Je suis heureux, avec les membres du comité d'organisation, d'avoir contribué à cela. À tous, veuillez nous pardonner pour les imperfections. Nous vous demandons de ne pas voir ce jour nos épines, mais la rose qui pousse dans les épines. Excellences, Monsieur le Président, le VPE, chargé du DC de la Commonwealth, l'honorable Jean-Germain Wenyen, s'excuse car souffrant. Je voudrais aussi, au nom du comité d'organisation, remercier le PPACI Sud Commonwealth, avec à sa tête notre CR Amar Kadjo, pour son apport inestimable dans la réussite de ces retrouvailles. Excellence, Monsieur le Président, nous avons choisi le 14 juin parce que le 14 juin 1990, vous étiez à Benoît pour entamer la lutte pour la démocratie. Nous avons choisi le lieu parce que c'est ici même, à la place publique de Benoît, que vous avez pris la parole le 14 juin 1990. Nous avons choisi ce lieu parce que le 20 octobre 2005, vous avez posé la première pierre de la statue de Kadjo à Mangwa à l'occasion de son retour sur sa terre. Nous avons choisi le lieu parce que vous êtes un résistant comme lui. Lui a été déporté au Gabon et est revenu en poussière. Vous, vous êtes revenu vivant et Dieu te revient. C'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. Et nous nous devons de vous célébrer et vous purifier pour reprendre le bâton de la lutte. À quoi va donc à la place Kadjo Mangwa? Y'a quoi vous, car vous avez suffisamment pour lui. Enfin, Monsieur le Président, j'ai entendu quelqu'un dire hier ceci. C'est maintenant que Babou arrive en Côte d'Ivoire. Dites-nous donc comment vous allez fixer les coups pour le seul mandat que vous nous félicitez. Bonne écoute à tous.